Шатов, отнесите его, пожалуйста, Льву Давидовичу. Вот, вот, вот. Вот. Давай, Федюшка. Давай, давай. Давай, мне нравится очень прекрасно. Это прямо замечательно. Что советская революция большевиков прямым образом исходит от мексиканской революции. Это ерунда, Диего, это ерунда.
Когда он говорит всерьез, Ривьера? Le digo que la revolución soviética es una copia de la revolución mexicana. Когда он говорит всерьез? Möchten Sie mehr Wein, Natascha? Ja, ja, ein bisschen, bitte. Bueno, ¿y por qué? Bitte. Tú y Stalin no se fueron de putas. Ничего не понимаю. Un cañonazo. De 50 mil pesos y todo arreglado. Есть артишоки, они такие вкусные. Много витамин. Давай, давай. Wissen Sie, dass Diego Kinderfleisch zum Frühstück ist? Ach so, und schmeckt es so gut wie die Artischocken? T'aurais dû te saouler la gueule avec Staline. Plus souvent. Tout se passerait autrement. Assez, Diego! C'est quand même trop! Pendejo. No le digas pendejo. Bonjour. Mon chéri, quel bonheur. Ce vieil homme qui t'aime, petite fille intelligente qui continuait s'inquiéter de ce qu'elle appelle, avec injustice notoire, son absence d'engagement artistique. Je crie quelque part sur les correspondances de l'art véritable avec la révolution. L'art prolétaire et l'utilisation pédagogique de l'art ne sont pas les formes uniques de la culture révolutionnaire. Les ouvrières de mon futur ont également besoin de ce que toi, tu peux leur offrir. L'idée de la complexité psychologique de l'homme, l'expression de force de la passion et de l'instinct. Mais ne dois-je parler que de ça avec toi? J'ai toujours été si timide et silencieux. Je dois bien te le dire maintenant. Je suis un vieil homme dont la vie s'y engageait n'a jamais connu d'épisode galant ou romantique. J'ai toujours été fidèle à ma femme et ma vie laborieuse. N'a jamais été déréglé par les émois du cœur ou des désirs. Mais maintenant, je suis un vieil homme et encore orgueilleux de sa force et de sa santé, comme le vieux Tolstoï, qui revenait tout enflammé de désirs de chevaucher. Et longue marche à travers du bois bien différent de ceci, et pourtant parfois bien semblable, ma douce Frida. J'ignore si cette lettre salit par une telle confession, mais nous avons besoin l'un de l'autre. N'est-il pas vrai? Ne nous sommes-nous pas confessés furtivement l'un à l'autre notre amour silencieux au cours de ces dernières semaines?